Et action, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve sur KTP 6ème édition, 2ème prise, avec plein de jolis monde. Ils se sont regroupés par équipe, c'est magnifique. On va les présenter rapidement. Hop, 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 comme ça on fait le tour. Tadala, tadala. Sinon vous faites tab et ils sont Trop le tous fédon. affichés. C'est magnifique, il y en a trop. On a des nouvelles têtes. On a le. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je sais pas, tout le monde est plus ou moins là, donc c'est bon. Et puis bah, on va démarrer sans plus tarder parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Donc voilà, rappel des règles, c'est en équipe de 3. C'est toujours les mêmes règles. Une petite modification cette saison, on est en Vanilla, il n'y a pas d'Eternal Day. Un rajout sur les règles, c'est qu'il interdit de piéger les portails du Nether. Et un petit changement dans un craft pour le melon scintillant, ça se fait avec 8 blocs, enfin 8 lingots d'or et non pas un bloc d'or comme avant. Donc voilà, c'est les seuls c'est les seuls changements. Et mon skin aussi, oui. Donc D'accord. voilà, allez, tout le monde dit bonjour. Tu m'enlèves la parole prioritaire, Az? Hey, Parce que tu salut! sais pas Bonjour! parler. Bonjour! Bon, ça sert à rien. Bonjour aussi! Et ça sert à rien. Bonjour aussi! Bonjour voilà. aussi! Que le swag soit avec vous, et C'est puis. la meule. Eh bien, Oh. écoutez! Attends, on va se séparer dans les channels, et puis on Attends, va attends, démarrer. attends, Ouais. attends! Si Bon, je puis si, c'est dire, pas. on est 36, il est 21h16, applaudissements! Ouais! Ouais! On aurait pu commencer avant, si t'avais fait quelque chose de bien. Ça, c'est dit. Oh là là. Bon, allez, on se sépare ouais, tous. On se sépare. Bonjour, bonjour. Yep. Salut, c'est KTP. C'est ouais, mais on est encore tout près du mur, c'est cool. Ouais, mais bon, on a le mur en face. Ouais, maintenant il faut trouver des arbres aussi. En face. Désert, c'est pas mal ça. Attends, Il y a un cochon. Cochon, j'ai. On a vu du cochon. Un arbre pour se faire le cochon. Bon, faut pas marcher sur les cactus. Moi j'ai pété les arbres là au-dessus. Bon, c'est pas discret, mais au CF. Il faut aller voir s'il y a pas des villages dans le désert. Yep. À première vue, comme ça, il y a pas l'air. À première vue, comme ça, on a trois arbres hein, chacun. Hein, yep. Bon, donc pas on comme tout à récapitule l'heure, du coup. encore une fois, il y a 35 joueurs, donc il y a encore une fois le bug. Il y a quelqu'un qui était déconnecté. Voilà, on est que 35, on n'est pas 36, il en manque. Sinon, il y aurait quelqu'un d'affiché à côté d'Hypierre. Moi, je fais la table de craft et tout. On est 35. Qui est pas là? Dur à voir, hein. Zippy déco, oh, fuck. Ah merde, c'est Zippy. T'inquiète. Ouais, donc. On récapitule, il y a une personne qui fait la pioche en bois, une personne et la qui pioche fait... à terre, tu l'as récupérée? Je sais pas. Elle est là. 1, 35. Et j'espère qu'en se reconnectant, Zippy sera au bon endroit. Puisqu'on a été téléporté entre temps, quand même. Ouais. Enfin, j'espère qu'il soit là, ouais. Bon, alors, pour ceux qui le sauraient pas, pourquoi est-ce qu'on fait une pioche en bois et une seule pioche en pierre pour l'instant? Pour faire. Parce qu'il y a les achievements. Bugger les achievements. Et en fait, on a besoin à chaque fois de l'achievement précédent pour 1, 2, 3. Ouais, voilà, pour activer le suivant. Donc, en gros, comme il y a crafté une pioche en bois et crafté une pioche en pierre, si on ne fait pas l'un ou l'autre, les achievements sont bloqués. Ça, c'est bien. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à expliquer. Mais on relance. Et Zippy est à nouveau tombé. C'est normal, parce que quand il s'est reconnecté, il était en haut. Aznet, il peut pas le téléporter et le faire revenir, je sais pas, ça irait plus vite. Apparemment, il peut pas le plugin et faire en sorte que. Attends, mais je sais pourquoi. A priori, ça va restart alors. Aucune idée. Et là, t'as une pioche à ta droite, Shorty. Ok. Ah oui, merci, je. Tiens. Moi, je trouverais normal qu'on restart encore, puisque là, c'est pas de sa faute. Enfin, quand il s'est reconnecté, il était tout en haut de la map. Du coup, il est tombé, il a pris des dégâts de chute, hein, c'est.
Bah oui. C'est oui, la suite logique. C'est la suite logique des choses. Bon, j'ai l'impression qu'Az a décidé que tant pis. Quoi? C'est dommage. Bah ouais, parce qu'il a dit désolé, Zippy, c'est toi qui bug. Bon, bah je vais aller à la chasse aux cochons. Bah. J'ai fait un épée, moi. Ah, okay, j'essaie de t'envoyer une épée, mais ça. Là, il y a un lag. Il y a un gros lag. Je suis réapparu dans un bloc, ça, j'ai pas pris de dégâts. J'étais repoussé. Tiens, chante. Merci. Franchement, si j'ai pris des dégâts d'étouffant, comme ça, j'aurais un peu fait la gueule. Ça ferait un peu moins chier, ouais. Moins que Zippy, quoi, mais. Ça, ça fait chier, ça. Bon, bah tant pis, on va essayer de se reconcentrer maintenant. Ouais, il y a la forêt qui crame par là. Je sais pas si vous avez vu. Tiens, une épée. Oh, merci. De quoi? Il y a la forêt qui crame? Ouais, ouais, mais il doit y avoir un petit lac de lave. Ah, c'est cool. Bon, j'ai fait le choix pour une fois de laisser les musiques. On aura un petit peu d'ambiance. Ça pourrait être bien, ouais. Ah, pas vous, du coup, mais les viewers. On les veut, nous. Eh bah, t'as les activé, toi, comme ça. Ah, je veux les tiennes, moi. Ah, d'accord. Ah, viens chez moi, écoute, hein. je t'ouvre la porte, pas de soucis. Moi, je suis à moitié tous les cochons que je vois. Moi, je viens de trouver des poulets, donc ça va être intéressant aussi. Bah, pour les flèches, parce qu'il va nous falloir un arc assez rapidement. Oui. On essaie d'en choper un, parce que s'il y a des witch, je fais demi-tour et je m'enterre, moi. Ah, c'est pas un arc qu'il faut contre une witch, hein. c'est une pioche pour se planquer. Non, même à l'arc, je sais pas si j'y vais, moi. Bah, à l'arc, si tu bouges tout le temps, il y a moyen, mais. À partir du moment où t'as ton stuff, ça va. Ouais. Bah, c'est du poison, le problème, c'est. Je pense pas que les armures, ils contrôlent le poison. Moi, je n'ai que 6, mais je dois avoir pas mal de poulets. Ouh, il y a une jungle là-bas. C'est très bien ça. Ah, oui, bah oui. Elle doit être grande normalement, si j'ai bien compris. Bah, je vais retourner tout près des arbres, voir s'il y a des pommes. Quelqu'un qui en a chopé ou pas encore? Non, pas du tout. Bah, c'est-à-dire que moi je me suis écarté, hein. Ah, il y a une pomme là, sur l'arbre. Il y en a une deuxième. Ah non, c'est une fleur. Wow, j'ai eu un... J'aime pas trop escalader, parce que ma souris, elle fait un peu des siennes ce soir. Ah. Et donc, je risque de temps en temps. Non, c'est pas ça, c'est pas une question de pile. C'est une question de direction, enfin... Elle va par à-coups, elle doit être un petit peu encrassée, je sais pas trop quoi. Enfin, elle donne des à-coups. Et c'est un peu embêtant ça quand t'avances sur une montagne et que d'un coup elle tourne. Ouais. Que t'as fait avec la souris. Bon, peut-être mieux pas savoir. C'est ça. Non, je sais pas. Enfin, elle commence à se faire assez vieille. Y'a de l'écho, je sais pas chez qui c'est. Pas chez moi en tout cas. De par le fait, je sais pas, c'est peut-être moi, mais non. Bah oui, ce serait bien la première fois qu'il y a de l'écho. Oui, j'ai un casque dans ma voix. Ah, j'entends aussi un petit peu Flaming en écho, donc ça doit être toi quand même, Shorty. Je vois pas comment ça serait possible. T'es le seul qui a pas d'écho. J'ai mon casque sur les oreilles et l'autre c'est le casque de. Enfin, tu serais peut-être un petit micro. Peu sourd, hein, c'est ça. Non, nope. Non, pas seul écho, j'entends aussi quand vous parlez. Oh fuck. En fait, on a tous de l'écho, hein. Il y a deux personnes qui ont de l'écho. Moi j'en ai pas. Ah, bah écoute, je t'ai posé des questions. ça pourrait être moi, mais oui, mais comment tu veux que j'en ai avec un casque? C'est une bizarre, question. C'est très bonne question. Ouais, quand je parle, je m'entends chez Talisker. Bon, moi j'ai un petit peu fait le tour au niveau des poulets et tout qu'il y avait proche. J'aimerais bien aller vraiment vers le désert, mais je vais manquer de bouffe, donc il va falloir que je fasse cuire quand même quelque chose. Ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans le désert. Ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans le désert. Par contre, je vais faire une petite table, un petit four avant. J'ai trouvé un petit peu de charbon. Elle est overbuggée la flotte avec ce truc. T'es shader? Ouais. Ah ouais, c'est le problème des shaders. Bah là, je suis en train de switcher pour voir celui qui est le plus beau. J'en ai un là, mais le truc c'est que la flotte, on voit que ça fait une boucle en fait sur l'animation. Du coup, quand elle arrive à la fin de la boucle, ça revient au début et c'est un petit peu moche. Bon, écoute, limite, on est là pour l'action, hein. Ouais. À savoir quand même qu'on vient de tomber dans le coin opposé de celui où on était tout à l'heure. C'est quand même assez drôle. Aimé, ah ouais. Ah ouais, on est en 1000 moins 1000. Bah, du coup, on va voir dans le désert ou. Bah, le désert jungle, ça me paraît pas mal, ouais.
Mais j'ai encore 3 côtelettes qui sont en train de cuire, j'aimerais bien attendre qu'elles finissent. Je vais essayer de miner un tout petit peu pour voir si on trouve des choses en attendant. Du charbon. Ouais, ouais, 5. Ok. Je vais mettre les côtelettes que j'ai aussi, j'en ai 11. Ah ouais, mais là si on attend 11 côtelettes, ça va être trop long. Bah, de toute façon. Fais un deuxième four au pire. Ouais. Pour de la cobalt du coup. Mais sinon, ce que je fais, c'est que j'en prends 2-3 et je vais dans le désert tout seul pour l'instant. Enfin, tout seul ou avec quelqu'un, mais avec ceux qui ont de la bouffe, quoi, et on revient ici après. N'importe, ouais. Sinon, on peut aller dans la jungle, on va trouver des melons. Dans la jungle, ça peut être dangereux, mais en longeant la jungle par le désert, justement, ça peut être sympa. T'es où de Talisker ? Pour juin, là, j'étais parti un peu. J'ai chassé le poulet, j'ai 24 plumes. Ah, on est bien là. Bon, moi je commence à faire route vers le désert. Il est midi, enfin. C'était ce qui sert à rien. Ouais. Ouais, ah, je te vois. Et Shorty, t'es où toi ? Au-dessus de toi. Et il est au spawn. D'accord. On fait quoi ? On le suit ou. Bah, de toute façon, je vais sûrement revenir. De toute façon, faudra aller dans la jungle pour aller chercher des melons, donc. Prenez les côtelettes, enfin. Alors moi j'allais vraiment pas dans le but de partir en prime, parce que je comptais revenir après. Donc. C'est comme vous voulez, si vous voulez me suivre tout de suite c'est bien, sinon tant pis. Ah, j'ai je sais pas, je me dis que ça peut être. J'ai tout ce qu'il faut au niveau melon. Ah, parfait. Ah, oui, c'est quoi pour les casser plus vite Avec l'épée, je crois. Ouais, l'épée elle a l'air bien efficace. Pourquoi l'épée d'ailleurs? Enfin bref. Bon voilà, j'ai pas mal de melons, j'en ai 26. Un petit peu plus d'ailleurs, parce que je suis encore en train d'en trouver. Il y a beaucoup de melons dans les nouvelles jungles. C'est en bordure quoi, les jungles, il y a toujours beaucoup de melons. J'aime pas trop traîner moi dans les jungles, je sens ça prendre des dégâts de chute encore une fois. Ouais, c'est chiant les jungles. Bon, puis la nuit quoi, le matin, le pire c'est le matin. Oh des vaches! Je rush. Des vaches en. Ah ouais, d'accord, mais le désert en fait il est juste minuscule, hein. C'est vraiment pas le bon plan. En fait il est coupé par le mur, mais on est dans la petite partie du désert. Ah d'accord. Il faudrait une dérogation pour aller voir de l'autre côté. J'ai trouvé du fer à la surface. Ah bon, je suis entendu là. C'est pas toi, ta gars, qui fait de l'écho. Non, c'est pas possible. Enfin, hein, vous avez tous dit ça aussi, je veux dire. L'écho mystère. C'est quoi tout ce fer qu'il y a dans les petits. Dans les petits lacs là, enfin les petits étangs. Il y a plein de fer dedans. Bah, il faut prendre. Où c'est que tu trouves ça? Ici, un petit peu plus loin. Allez, ramasse les côtelettes. Je les ai. Ah, j'ai vraiment la masse de vache, donc ça c'est bon. J'ai retrouvé du charbon, je crois. Je suis pas encore vérifié. Il y a une vache tout en haut d'un arbre de la jungle, mais vraiment tout en haut. Pour ceux qui l'ont pas vu, elle est là-bas. Je pense que c'est une vache. Non, c'est peut-être juste un bug d'éclairage, mais. Les côtelettes ont fini de cuire. Bah, rejoignez-moi, il y a quand même pas mal de choses par ici. Vous allez voir, c'est pas compliqué pour moi de trouver. Mais la moitié est dans l'autre truc, Talisker, non? Ah, mais il n'y a plus de charbon. Tant pis. Ah. Tant pis, venez, on a assez de bouffe pour l'instant. Ouais. Si vous me dites que vous en avez trop, monsieur. Si vous trouvez une canne à sucre, ça peut être pas mal. Il faudrait 3 cannes à sucre. Ouais. Y'a pas d'enchante. Sur le chemin de la route. De toute façon, franchement, je pense vraiment pas que ce soit, contrairement à ce que j'ai dit juste avant, le bon plan de partir dans la jungle actuellement. Je vais regarder sur le bord, s'il n'y a pas de. La canne à sucre qui traîne, pas l'air. Il y a une crevasse, enfin il y a une grotte là, avec un squelette qui me regarde. T'es parti où, Shorty? Je regardais sur le bord de l'eau s'il y avait de la canne à sucre quelque part. En traversant un bout de jungle, on peut peut-être réussir à la traverser, vous en pensez quoi? On va essayer, ouais. Moi ouais, j'aurais besoin de bouffe. Je viens vers vous parce que j'aurai besoin de nourriture et si vous l'avez. C'est bon, je te vois, Talisker, je suis derrière. Ah ouais. Moi, je vois Talisker aussi, donc. Je vois ta gars. Ouais, on se voit tous. C'est génial. Non, c'est pas vrai, je vois pas Shorty. Je suis en contrebasse pour ça. Ça y est, je vois Shorty.
Bah venez vers moi, ouais, parce que je pense qu'il y a moyen de traverser la jungle par là, mais il faudra le faire avant la nuit. Hein. Si Shorty, on se le fait. Passe à gauche, je passe à droite. Asnet, Asesker. Et ça, Aurélia et Bill. Quelqu'un aussi. Pour me passer une côtelette ou deux. Yep. Tiens. Merci. Avec ça, je crois que t'auras assez pour bouffer. Ouais, c'est bon. Allez, go. Tiffano getting wood. On sent le mec qui a pas du tout miné au début. Il faut allonger le mur par contre, si on veut traverser la jungle. Il y a encore des vaches, mais bon. Ouais, bah. On va faire comme en prison. Ça me va. Bah, elle est pas évidente à aller chercher la vache. Elle est où? Ça me paraît un peu dangereux. Elle est où? Alors. Et on va dans un arbre. Ah oui, pour une vache, on va pas prendre le risque. Hein. C'est ça. Ce serait du diamant. À la limite. Mais je sais pas pourquoi, perso, les witch, je les sens pas dans cette saison. Saison. Mais vraiment pas. J'espère qu'on en aura pas, surtout. On va entendre tring, un verre qui casse et on va mourir comme des cons. Quoi? On traverse pas tellement. Je pensais qu'on traversait la jungle, mais en fait, non, c'est les jungles plus hautes. Donc, on s'enfonce dans la jungle, dans ou la pas, jungle. Ouais. Au moins, on sera un peu tranquille. Hein. D'ici, est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans la jungle? Bon, allez, on va pas tarder à... Là, on est à combien? On est à 15 minutes de jeu. Je pense qu'Hyper a déjà trouvé tous les strongholds de la carte et il a déjà au moins 15 diams, non? Ouais, c'est un peu comme ça vous d'habitude, non? Ah, vous êtes là. Oh, bah, du coup, je saute dans l'eau aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a de quoi se laver, mais ça va pas tellement nous servir. Ah, par contre, c'est pas ici qu'on va trouver des pommes, donc je sais pas si vous en avez. Pas une. J'en ai qu'une. Ah, bah sinon, pas une bonne idée alors. Mais on peut trouver ce qu'on des peut faire, c'est sur, de continuer dans armes. Cette direction. Ouais, mais alors très peu, c'est pas rentable. Sinon, on continue à avancer dans la direction en espérant sortir de la jungle. Non si on continue à longer le mur, on va forcément tomber sur une autre équipe. Hein. Il y a des chances, ouais. Ouais. Si on continue à longer le mur, on va forcément tomber sur une autre équipe, à mon avis. Crois-tu? Et eux, ils auront sûrement dû faire. Moi, j'en ai 5 sur moi. T'as pas fait une épée? Nope, j'ai pas pensé. De toute façon, il va faire nuit, on va devoir s'enterrer là. Justement pour le problème des witch. De toute façon, les pommes, on verra ça quand on aura de l'or hein, aussi. Oui, c'est vrai, après, de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça, mais bon. Comme on dit, ça peut toujours servir. Ah, bah attends, j'ai du melon, je suis bête, le melon scintillant maintenant, on peut faire. Ah non, non, je suis bête. Non, j'ai un lit, c'est pour les potions. Si on n'a pas les blaze rods, ça va être dur, ouais. Ça va être le plus dur à aller chercher, mais j'ai envie de le tenter moi. La saison avant, on l'a fait, ça s'est bien passé. Et puis je suis mort encore comme un couillon en creusant dans un. On s'arrête ici? Ouais. Va falloir là parce que. Commence à faire assez sombre. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, qui a encore du charbon pour faire des torches assez rapidement? Je suis en train de ramasser, moi. Comment ça creuser un trou? Un arbre qui brûle là en face. C'est pas grave ça. Si on est sous terre, ça peut pas nous toucher. Quelqu'un commence à creuser? On va essayer, ouais. Je fais des torches, moi, pendant ce temps-là. On creuse pas où? Ah, c'est ici. Moi, je dépense... Par là, c'est plus planqué. Hein. Je dépense tout mon charbon en torche ou... Ouais, allez, bon. On a rien besoin de faire cuire, là, actuellement? Là, non. De toute façon, ouais. C'est trop tard. Hein. Si, il me reste du poulet, mais c'est pas grave, il y en a. C'est bon, allez, on suit tous Shorty. Vas-y, rentre, Taliska. Enfin... Yep. Si tu peux ne pas te faire taper, hop. T'as par contre avec les shaders, laisse tomber, c'est juste ignoble, on voit rien à 2 mètres. Voilà, bon. On aurait tous su Shorty. Ouais. Bah au bout d'un moment, est-ce on partirait pas dans 3 directions différentes. Oh, du gravier. Un pot de pelle, j'imagine. Putain, je vois rien. Bon, j'en profite pour refaire mon inventaire. Là, t'as fait un trou de 2. Ouais, j'ai... Oh Toik est mort, GG. Par un zombie. J'ai désactivé les shaders du coup parce que sinon je peux pas jouer ici. Il faudrait une torche tous les 2 mètres. Ah, puis du coup je me rends compte, on a même pas dit GG à Zip. Si, moi je l'ai dit. Moi. Au nom de l'équipe. Ouais, c'est cool l'épisode de 18 minutes pour Toik. Il aura pas trop de mal à y plonger. Comme tu trolles. Ah, faut se réjouir de la mort des autres, hein. c'est des adversaires en moins à... Allez, à affronter. Attention à toi, t'as l'isqueur quand même. Oh, du gras.
Si on fait le coup des torches, on peut récupérer, à votre avis, du flint ou pas? Je crois pas. Si, ça marche. C'est pas de charbon ici. Non, je suis parti dans l'autre direction. Je pense pas qu'on puisse récupérer de flint avec les torches, il faut le poser. Si, on peut récupérer. Je te le garantis. Exact. C'est bon, j'ai rien dit. D'ailleurs, en parlant de torches, t'en as pas? Ah si, bien sûr, tiens. What? Quelques-unes. Allô? Méga lag. Ouais, j'avoue, là, il y a une labo. Alors, c'est bon, F3. T'as des torches? Ouais, c'est bon, j'ai des torches. Je vais le récupérer. Ouais, il y a As-2 qui a 4 PV. Sérieux? Ouais, As-2, 4. Et pour retourner live. Bon, le premier qui trouve quelque chose, il hurle. D'accord. Il y a Aurélien qui a pu comprendre ce point de vue aussi. Bah dis donc, c'est toute la team Holicube là, qui s'est fait défoncer. C'est ça. Ils ont trop l'habitude de jouer à côté du beacon, c'est pour ça. Ouais, voilà. Comment je suis mon vrai salon? Trop de confort. C'est ça. Trop de confiance et du coup, hop, dans le cul. Ah! Du fer. Voilà, une caverne. Ah, je vais peut-être retourner avec toi du coup, j'étais parti avec Shorty. Ah, continue à creuser, Shorty, je vais récupérer le fer. Ouais, vas-y, t'inquiète. Je suis derrière toi. Bah non, mais c'est parce que je fais rien là en fait, du coup, c'est un peu. Bon, elle est pas spécialement. On est très sympa. Y a rien en fait dans cette caverne. Fais gaffe quand même en creusant comme ça avec moi derrière. T'inquiète. On va le faire fondre histoire qu'on se fasse des pioches à passer. C'est un petit peu long à creuser. Cassé. Bon, bah, je m'occupe de. Bah, fin du premier épisode, du coup, on se retrouve au prochain. Salut.